Hello and welcome to The Watches TV. We are today in La Chaux-de-Fonds to meet Stephen Forze, co-founder of Global Forze, to speak with him about high-end finishing. What does it mean, how long it takes, and why it is so important and beautiful. So, let's go. From the very first watches and clocks, the watchmaker would seek to embellish, to decorate, to show his skill and craftsmanship by finely finishing as much as he could the different components of the movement, even though they would never be visible. We arrive at a stage where hand finishing is no longer necessary. And so the completely machine-made watch took the foreground. And so this is the reasoning and the sort of evolution which brought us to the point with Robert and myself when at the late 90s we start to work together. We were looking and thinking, well, there are very interesting watches technically, but they are machine made, and this beauty of hand finishing and the skill and expertise of the craftsman is disappearing. And so we wanted to act on that and to bring back and try and rediscover these techniques. Today you're in our hand finishing department here, and this is our biggest single department. So there are 18 people working full time here. Dans la décoration, on va retrouver beaucoup d'opérations. Donc on va avoir tout ce qui est très tiré. On va travailler avec des cabrons, des abrasifs. On va avoir tout ce qui est poli. Donc on va préparer les angles avec des limes et on va venir les travailler, les polir. Donc on va retrouver des coins rentrants. Celle-ci, on en retrouve 4. On va avoir, par exemple, sur cette pièce, un pont bercé galbé, poli, un cerclage dessous. C'est des opérations qu'on va retrouver sur à peu près toutes les pièces. Donc chaque décorateur reçoit une série de pièces, donc c'est des très petites séries, environ 5 pièces en général. Il va prendre sa pièce et va la décorer jusqu'au bout. On va commencer par enlever les attaches, les marques d'usinage, et après venir travailler sur les flancs, sur les angles. Et à la fin, on a la partie lavage et on vient vérifier et retoucher certaines petites imperfections qu'on aurait pu laisser tout au long du travail. Les qualités qu'on doit avoir pour être décorateur, c'est la dextérité, la patience et le perfectionnisme qui est très important chez nous. On va chercher, on va repousser les limites à chaque fois. Donc on ne va pas se satisfaire d'être juste bon, d'être parfait, on va chercher l'excellence. Une pièce comme celle-ci, il y a beaucoup d'opérations. Donc on a, si on peut compter les opérations, il y a 5-6 opérations différentes dessus. Une pièce comme celle-ci, ça va être 15 heures de travail. Un pont barillet du 24 secondes vision, c'est également 16 heures de travail. Alors après, il y a beaucoup de plus petites pièces qui vont prendre moins de temps, mais qui seront tout aussi délicates. When we think about the finishing for Global Forze, it's completely integral with the whole of the timepiece. And with the invention piece one, the finishing of each element and each component has been carefully thought out from the very beginning to have its place in terms of the completing, reinforcing and enhancing the architecture of the piece. We have just recently launched in 2015 the Tourbillon 24 second vision. Here we have an incredible arched three-dimensional tourbillon bridge on the movement side. And this also has a barrel polish, but it's three-dimensional. So you can't imagine just starting with that bridge. You need that background, that experience, and that takes all that time and investment and energy on the human side, as well as in terms of resource, to be able to get to that level of expertise. Chaque mouvement, chaque nouvelle construction nous apporte toujours de nouveaux défis. Et c'est vrai que c'est un partage entre tous. Et ça, c'est vrai, quelque part, c'est beaucoup de passion, et de la passion qu'on transmet à nos pièces doit se ressentir sur nos pièces.